viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous élevir. Psaume 118, strophe 5. Thank you.
sont bienfaisants. Moi aussi, j'ai désiré tes préceptes. Oui, dis-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Incline mon cœur et ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 37. Ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien ne va dans ma chair sous ta colère, rien ne sert dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis dans le fond de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légion à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin.
jusque à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous le prestige des impies? Jugez pour la faible et l'orphelin. Ô malheureux, l'indigent rend des justices. Libérez le faible et le pauvre. De leur main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Je rédis, vous les dieux. Des fils du Très-Haut, vous tous. Maintenant, comme un homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine. Soyez attentifs, tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il avait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais dans mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Louons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du cardinal Walter Kasper, la miséricorde. Le message biblique de la miséricorde n'est pas uniquement spirituel. C'est un message de vie qui a de plus une dimension concrète et sociale qui lui est essentielle. Par le péché, l'homme a mérité la mort. Dans sa miséricorde, Dieu lui accorde à nouveau vie et espace vital. Il n'est pas un Dieu mort, mais le Dieu vivant, qui ne veut pas la mort, mais la vie. Jésus a repris ce message de l'Ancien Testament lorsqu'il dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ainsi, la miséricorde divine est la puissance par laquelle Dieu maintient en vie, protège, encourage, recrée et reconstruit. Elle fait sauter la logique de la justice humaine qui aboutit à la punition et à la mort du pécheur. La miséricorde veut la vie. Fidèle à l'alliance conclue avec son peuple, Dieu rétablit dans sa miséricorde la relation
de l'homme à Dieu, que le péché avait détruite, et lui redonne des conditions de vie acceptables. La miséricorde est l'option de Dieu pour la vie. C'est évident, Dieu est force et source de la vie. Il est ami de la vie. Dieu a une préférence pour les faibles et les pauvres. Le peuple d'Israël se souvient que lui aussi était pauvre en Égypte et que Dieu l'a fait sortir à main forte et à bras étendus et l'a sauvé. On voit chez les prophètes l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres, les faibles et les petits. On pourrait presque parler d'utopie pour un nouvel ordre social. Cependant, le mot « utopie » serait ici déplacé, car il ne s'agit pas d'un projet humain, mais de la volonté de Dieu de sauver l'homme et de sa promesse eschatologique. Le siège en souverain, ainsi que l'agneau, ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Venir sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les quatre vents du ciel soulevaient la grande mer. Quatre bêtes énormes sortirent de la mer,
chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait trois côtes d'animal dans la gueule entre les dents. On lui dit « Lève-toi, dévore beaucoup de viande ». Je continuais à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère et elle avait quatre ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi quatre têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore, je vis une quatrième bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des trois autres bêtes et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre plus petite au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci, et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuais à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais. J'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée pour une période et un temps déterminé. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Cette dernière semaine de l'année liturgique, ouverte par la fête du Christ, Roi de l'univers, nous donne à méditer des textes bibliques, tant l'Évangile que la première lecture, qui vont nourrir l'attente de la fin des temps, l'espérance du royaume. En effet, écrit saint Paul aux Romains, tout ce qui a été écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. C'est le prophète Daniel qui nous accompagne, l'homme au songe, qui reçoit le don de l'interprétation, mais qui aussi a des visions. Dans cette deuxième partie du livre, c'est Daniel qui reçoit lui-même les visions. Et celle que nous venons d'entendre se présente comme une grande fresque, haute en couleurs, en personnages extraordinaires, où deux mondes semblent s'y opposer tout en étant reliés. Il y a tout d'abord les 4 bêtes qui surgissent de la mer agitée, soulevées, donnant l'image de confusion et de chaos. 4 bêtes qui ont reçu un certain pouvoir de domination qu'elles exercent par la force. Elles dévorent, détruisent. Tout est violence, même les paroles qui ne sont que propos délirants.
Je continuais à regarder, écrit Daniel. Et là, tout change, une harmonie, un jaillissement de vie, de lumière, de chaleur, symbolisé par le feu. Un monde nouveau apparaît où le monde ancien avec ses royaumes et leurs pouvoirs n'ont plus de place et sont anéantis. La quatrième bête fut tuée, la domination fut retirée aux autres bêtes qui reçurent une prolongation de vie à durée déterminée. Le monde ancien s'en va et un monde nouveau advient, le monde de Dieu. Et Daniel poursuit en nous décrivant une véritable scène de couronnement. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il s'avance pour être consacré roi. C'est le jour de son sacre en quelque sorte. Et c'est une royauté universelle et éternelle qu'il reçoit et dont il ne s'empare pas, qu'il ne conquiert pas par la force. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Demain, dans la lecture suivie, Daniel nous donnera l'interprétation de son songe qui s'adresse au peuple d'Israël à un moment de son histoire particulièrement douloureux. Pendant l'occupation grecque, sous le règne d'Antiochus Épiphane, vers 165 avant Jésus-Christ, et il s'adresse à ceux qui restent fidèles à la foi juive, au cœur même de la persécution. Il leur dit « Vous êtes ce peuple saint du Très-Haut qui va recevoir bientôt la royauté. » Cette vision résonne donc comme un message de réconfort. En clair, mes frères, pour l'instant vous êtes écrasés, mais votre libération approche et elle sera définitive. Mais cette vision de Daniel dépasse le cadre du temps et de l'espace dans lequel elle a été reçue. Ce titre de fils d'homme, Jésus l'a repris pour lui en le transformant en fils de l'homme et en ajoutant à la vision de Daniel un aspect de souffrance. Mais après sa résurrection, tout est devenu lumineux pour ses disciples. D'une part, le Jésus mérite bien ce titre de fils de l'homme sur les nuées du ciel, lui qui est à la fois homme et Dieu. D'autre part, Jésus est le premier-né de l'humanité nouvelle, la tête, et il fait de nous un seul corps. À la fin de l'histoire, nous serons tellement unis que nous serons avec lui comme un seul homme, avec lui, greffés sur lui, nous serons le peuple des saints du Très-Haut, à qui sera confiée gloire et royauté. Frères et sœurs, nous voilà invités à regarder loin et haut, sans quitter la terre, mais en contemplant avec toute notre foi ce monde nouveau qui vient, où le dessein bienveillant de Dieu s'accomplira, faisant de l'humanité sauvée un peuple de rois. Viens, Seigneur Jésus. Thank you.
Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, protège notre ville de tout danger et de toute menace. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, donne à tous les habitants de notre ville la joie de vivre et la joie d'être des enfants du Père. Ô Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, donne à tous ceux qui aiment la Sainte Vierge de rester fermes dans leur foi. Ô Marie, Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ce jour où nous faisons mémoire de Notre-Dame de la rue du Bac, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient Seigneur, tu as mis dans la mère immaculée de ton Fils des trésors de miséricorde pour tous ceux qui ploient sous le fardeau. Accorde-nous un amour filial envers elle et une confiance totale en son intercession. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous Seigneur est avec toi. Tu es
fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons